Première épître de Paul à Timothée. Je désire donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant des mains pures, sans colère, ni argusie. De la même façon, je désire que les femmes soient vêtues pudiquement, avec décence et respect, qu'elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits luxueux. Mais de bonnes œuvres. Pourquoi lit-il ce passage? Je l'ignore, préfet. Je t'assure que ce n'est pas celui qui était convenu. Que la femme écoute dans le silence et la soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir sur l'homme une quelconque emprise. Elle doit demeurer dans le silence. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus lui-même avait entendu cette parole lorsqu'il a choisi les 12 hommes à qui il a confié sa postérité. C'était bien des hommes, pas une seule femme parmi eux. Et pourtant, j'en connais à Alexandrie qui accordent leur admiration et leur confiance à la parole d'une femme. La philosophe Hypatie. Une femme qui s'est déclarée publiquement impie. Une sorcière. Dignitaires, il est temps pour vous tous de vous réconcilier avec le Christ. Voici la parole de Dieu. Prosternez-vous et adoptez ces révélations. Agenou. Il refuse de s'agenouiller. Agenou.